mbote na yo papa. Mbote mingi ndeko fistel. Esengo mingi ndengo yambi biso na emission na Sud Nord. Topesi bandeko nyonso o baza kolanda biso bipai biso na mokili to ebi ete emission na o balandaka ango un peu partout. Topesi bango losako mbote bon alors comme mopanzi sango a introduit ngai comme on a ngai commandant Feli Fofé voilà Nazali mwana mboka congolais na salaki mosala oyo ya Sokoto na silisaki ba kelasi na ngai na Inikin université de Kinshasa na faculté de droit voilà l'air na silisi ba kelasi na ngai na kei na formation militaire na école de formation d'officiers de Kananga na session spéciale l'air na silisi kuna na bimi officier militaire voilà et na bandayi ko sala na justice militaire au bobengi auditorat militaire ya voilà. Kinshasa Gombe nazaki auditeur militaire et puis na zalaki pe na ba moi ba extra misana nga mosusu na tangisa na université libre du Congo na tangisa en tant qu'instructeur na école ya ba OPJ ya garde civile na Victoria babengango na Victoire babengango Yankee 16 na tangisa ku ya justice militaire et droit militaire na école ya gendarmerie ya Matadi Mayo to forma ba OPJ militaire tozalaki pe conseiller na esika babengi état major particulier du chef de l'état sous la deuxième république au babengaki maison militaire oui pour le moment toza awa libanda puisque on n'a pas accepté tout ce qui s'est passé au pays et siko bouinazali commanding chief donc chef d'état major général il y a armée révolutionnaire congolaise au esangisi ba militaire il y a diaspora et puis na ba oyo bazali na mboka et bingami arc mapinga merci beaucoup donc bandeko bozola na biso bo moni pe boyo qui je pense que ndeko azali boso na biso alati Sokoto te pour na cadre kaka à faire plaisir na misu maintenant à lati yango parce que azap na muta musala donc ndeko to yebiti na armée garde avant ndengo avant ya a ko fanda na étranger o ya na ko fanda na Londres na armée grade na ya suka ezalaki ni ezalaki bongo nini papa grade na nga ezalaki colonel donc mon colonel donc ndengi kaka bozoka papa Azako Yebisabiso, c'est pas un militaire de la rue, c'est quelqu'un où il y a zoa formation, pe mutu où il y a pe sa formation. Je vous rappelle, n'engat tout ça d'introduction, Azali auditeur militaire, tope n'engat tout bien ngarayango magistrat militaire, Azala qui pe professeur na université, a outi kota ngaba kombo biso na tourandi yango donc ndeko Azali boso na biso, Aza mutu, ndeko Azali boso na biso Aza mutu donc bandeko emo tang to zoa kazoa ba ba computer na biso to ba ordinateur na biso ko finga to ba ki ba to pe to finga ka ya mayele pe bazali alors papa va to kota na masolo na biso olobi ko zali militaire pe o zali militaire sinon ba confirmation na yo alors to ko linga to ba est-ce que moi okoki ko définir biso te armée ezali nini pe militaire azali nani s'il vous plaît matondo mingi mwana mboka mopanzi sango s'il faut aller tout droit au but, n'a qu'à définir, et l'oko o babengi armé, na linga la tobengi ango mapinga, ezali lisanga, yaba na mboka, ezala basi, ezala mibali, oyo, baza
na mission ya ko travailler sous les drapeaux ya ko protéger mboka na bango intégrité ya mboka ko protéger population ko protéger les autorités légalement établies ko protéger ba richesse ya mboka et protection ana ezalaka assurer na nini protection ana ezalaka na ba moyen oyo pouvoir et ko pesa na bana oana oyo bandimaki ete ba sala sous les drapeaux et ba moyen ba équipement ba armement po ete ba koka ko protéger mboka contre banguna wana définition brève ya armée. En tout cas, mon colonel, merci pour la définition précise. C'est là qui bref, mais très très clair. Alors, bah comment un militaire n'engénine? Pour tout le monde, bande de kebélé, bah bundi na montu, alobi na reprouveyo, abimé akéi une semaine, deux semaines, trois semaines après azongi na mundo ki moko ya mulaï na tenir bah soda akom ko terroriser bat na quartier. Procédure ya koko ma militaire, c'est là qui n'engénine. Merci beaucoup, Monsieur Fistel. Bandeko esengeli toye baete armé oto bengi mapinga ezali oba bengi na lopoto un corps d'élite c'est-à-dire moto oyo azako se distingué si le plan social si le plan yamatea oyo aza exemplaire bato modèle oanande bazwa kabango na kati ya mapinga c'est-à-dire armée ezali dépotoire te esika oyo soki o échoué si le plan ya classe si tous les plans donc oyé po ezane ti refuge non armée ezali un corps d'élite puisque eloko oyo est caractérisé armée ezali discipline ezali organisation ezali hiérarchie n'armée tokokota toko développer na ebisibino ke moi je suis du corps de justice militaire n'armée tokangaka bato o bamelaka bangi c'est-à-dire armée ezé sikate oyo bato baya poba mela bangi poba sala ba makam non armée ezali esika oyo discipline ezali na kopesa bino ndakisa yango mo colonel avant to komana so okoko zong un peu avant puisque développement zo kopesa za vraiment lengi mingi mais ndenga na tukutuna yo ba komaka militaire ndengeni on se présente ou un bon matin mutumoko asepela koma militaire akende wapi est-ce qu'on ne comment on déconne mon gars ministre pour nommer malamoko major colonel tout la procédure nous a rendu gagné pour la coco ma militaire il y a des critères à remplir voilà ezali na recrutement et salimaka na mboka na biso recrutement ezali volontaire c'est-à-dire soki olingi okota na armée okoya ko se présenter na ba centre o ba bengi ba centre d'instruction oui. Ba kotala ba condition physique na yo ba kotala ba condition morale na yo ba kotala éducation instruction na yo ba kotala o to benga background c'est-à-dire passé na yo et à ce moment-là ba kosala recrutement soki ba recruter yo ba komema bino na centre d'instruction po bozwa formation militaire de base. Siko ta ba komema bino na centre de formation po bozwa formation de base. Formation yango ezalaka vraiment nini. Ezalaka ka ba na kotanga, ezalaka ba formation parce que mbala mingi ta to ba laksa biso ba image. Ya ba formation, eska ba militaire bazo zwa formation, to mona ka ba za ko sauter, ba za ko kima bambangu, to ba rater formation ezalaka vraiment ndenge nini. Mon colonel. Bon, ba formation militaire eza na catégorie mibale. Voilà. Ezali formation ya troupe. Voilà. C'est-à-dire ya ba soldat. Oui. Hein, lettre comme à niveau ya ba grade développer. Voilà.
Donc formation à troupes, c'est-à-dire bato oyo hein ba baza destiné pour na bitumba. Et puis esa formation pour ya ba officier. Voilà. Alors formation ya ba troupes net na mboka ya biso ezayi na ba centre net ba kotakoli ou boza ko benga kota okola ezayi na ba base ya Kamina ezayi na ba base ya Kitona. Alors formation esa basée sur quoi? Esa basée d'abord sur la constitution physique. Voilà. Ça dit bako pesa bino to benga bichebe chebe puisque soda aza mutu moko oyo aoki kozala Alemba le maté. Oui, voilà. Donc na cadre de formation physique wana hormona natongo réveil matinal hormona le mususu na 4h du matin. Oui. Bobandi reway, ça dit chebe chebe. Oui. Et après bosali ba exercice ba piste d'obstacles hein wana na niveau ya formation physique. Et puis il y a na formation civique, c'est-à-dire ba kotisa yo ndenge nini oko batela mboka na yo. Maki bo ba bande ko na ko sala lango te me ba bande opesa kama information. Voilà. Donc formation physique puisque un militaire mission na ye ndenge to kota bo mission ezali ko batela mboka. Voilà. Yo oki ko batela mboka te soki yo ebi mboka na te soko ozana mo patriotique te. Oui. Et puis ezana ba cour mosusu. Oui. Oh, bah, ben, net, bah, lecture des cartes. Oui. Hein. Au coup, bah, n'est-ce qu'il n'y a pas de cartes. Oui. Et ça, bah, histoire militaire. Oui. Donc, et ça, bah, cours théorique, n'a pas cours pratique. En tout cas, merci, mon colonel, la développement, ça, coupé ça. Vraiment, bah, n'est-ce qu'on, tout ça, dit qu'on rappelait, bino, que, papa, ou Azali Bosson, Abisso, Azali, un ancien militaire, n'a, mboka, Abisso, au Congo, ex-Zaïre, et tant, ou à l'ouma qui n'a armée, à l'ouma qui bon, on a gradé à colonel. Azali, Azala qui professeur, n'a université, à Pessa, ba formation militaire ya ndenge na ndenge. Donc c'est vraiment mutu oyo mboka na biso asala mingi pona mboka na biso pe mboka na biso ya lobi ekozala nai po ça. Alors papa, parler biso un peu na ba hiérarchie militaire ezala ka ndenge nini, grade ya suka eza grade ya nani, pe grade ya likolo eza nini, et puis ba mataka na ba grade ango ndenge nini, ba condition s'il vous plaît, pe tant nini esengaka pona popoto bandeko mwana ba mutu so abanda armée banda kala atikala kaka jida. Mon croyé Lelo a commis, je sais pas, net yo colonel, quelque temps après, l'icola colonel, yep sa bisou un peu hiérarchie, et puis, bah, tant n'a pas condition ni ni, et c'est voilà. Merci beaucoup, naoutaï goloba, ah, ok, armée, et za corps moko organisé, et puis hiérarchisé. Ezali n'a pas grade, oyo, armée classique. Nako limbolelo ba grade wana, et puis nako yebisa bino voilà comment ko accéder na ba grade wana. Enseigner biso mon colonel. Bon, l'air okay na CI, c'est-à-dire na centre d'instruction volontairement. Voilà. Obino na ligne ya kota armée. O rempli ba critère ba condition nyonso. Alors ba ko benga yo recrue. Okoza na PTT. Oza o ba bengi une recrue. Alors, ce qui aussi ici formation nayo, au lati pete ya oubabengaka soldat de première classe. Oui. Après, au commis soldat de deuxième classe. Ils ont à peu près combien de temps pour nakouta na première, deuxième, ils ont à peu près combien de temps? En tout cas, on ne peut pas parler de temps, mais on peut plutôt na okota na ba critère ndenge nini au mata grade, mais etala mingi ba bravoure, ba acte de bravoure hein na ba ba classe. Parce que il peut se faire que un recrue na na bitumba asali acte moko de bravoure, il y a héroïsme et akomata grade. Il ne peut pas sauter à komata grade progressivement. Alors, après soldat de première classe, a okomi CPL, caporal. Caporal, oui. Après, donc on a bandi na se. Ouais, ouais. Et là, tout ça, on a posé. Après caporal, on a bengi CPL, okomi sergent. Voilà. Seget. Après sergent, okomi sergent major. Voilà, Ozomata. Ozomata. Après sergent major,
au commis premier sergent major au babenga gradé d'élite. Voilà. Voilà. Wana étape ya liboso. Après étape wana ezana ba pe ba officier na niveau na yote tout ça un peu profane na makamba armée donc c'est ba question c'est ça li banda moke o olimbisa biso est-ce que to robenga bango ja ba officier non 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 bazana ba officier sont pas des officiers. Voilà. Alors na niveau wana après gradé d'élite c'est-à-dire premier sergent major oui okoki kokota matea hein po o mata okoma na niveau ya adjudant de deuxième classe soki yo moko lingito ba konzi bato ako tia yo na makasi po ba mata yo grade ba ko tia na makasi te donc ro suka na ope wana soko lingi oui ro suka mais un être humain il faut Aninga. Toujours être ambitieux voilà quoi voilà. Ou évoluer voilà, voilà. Mm. Okomi adjudant de deuxième classe, adjudant de première classe, après au commis adjudant chef, au bazaïna trois palmes y a en argent. Voilà, tout ce monde tout ce monde là. Voilà. Wana adjudant chef. Voilà. Bon. Aux anciennes officiers. Ça dit au niveau y a bas adjudant, bosa bas sous-officier. Voilà. Siko boe catégorie ana sili olingi siko bo o mata grade après adjudant chef okokoma sous lieutenant wana eza palme en or moko. Alors pour devenir sous lieutenant selon ordonnance qui a été signée na époque na biso ya forces armées aéroises Esengeli sodanyo so ale kanana école de formation d'officier ya kananga. Voilà. Donc il y avait qu'une seule école de formation d'officier ya kananga. Ba pete mosusu o ebanai go zo masima nanda ko tout ça sans passer par l'école de formation d'officier de kananga et zaï ba pete moko yo lettre ko ta profondeur voilà. To kolobelango formation les a basé na nini et puis to yo besoin ka combler les temps surtout formation na école de formation d'officier de kananga oui. Je vais vous dire que école de formation d'officier de kananga et pas ngana outi c'est ezali Neti université oui. Yaba militaire. Voilà. On donne presque tous les cours. On donne l'histoire militaire, on donne bah, lecture des cartes, on donne civisme. Donc, bah, et c'est pendant trois ans. Et si on finit les trois années, on sort gradué en sciences militaires. Et obimi na grade ya sous lieutenant. Trois ans. Wow. Voilà. Maintenant, après grade ya sous lieutenant, oui. Vous pouvez cour mosusu okiko sala, acte mosusu ya bravo okiko sala, po ola tapete ya premier lieutenant. Ezana de barrette en or. Voilà. Premier lieutenant. Voilà. Au babenga bango lieutenant tout court. Voilà. Alors, ce qui aussi les niveaux en a, au commun à trois barrettes en or, nde babengi capitaine. Alors, groupe en a, sous lieutenant. Lieutenant, sous capitaine, capitaine voilà. Ce sont les officiers subalternes. Ok. Voilà. Alors, maintenant, pour accéder. Na grade ya major. Voilà. Major ou yaka après capitaine. Voilà. Il y a des critères. Il y a aussi des cours. Voilà. Et panabiso, il y avait les centres supérieurs militaires. Ou ils en étudient un master, c'est-à-dire, l'école ya université ya armée. Voilà. Et kuna okokuta, thème donc bah technicien d'état-major oui. Donc bah tout y a boigna et école supérieure militaire on a bah cours et banaye copé samanaba naba grand stratège il y avait même des coopérants militaires belges qui donnaient cours là-bas voilà. Et dès qu'on termine on devient major na niveau y a major on a et commis
catégorie il y a bah officier supérieur. Après major, au commis lieutenant colonel. Bon, major à notre époque, puisque bah symbole en gros ont changé, ils aient moto et encore. Voilà. Après major, mitu a commis balé lieutenant colonel. Après mitu a commis balé colonel full. Voilà. Trois mitu a koi. Voilà. Wana bah officier supérieur. Oui. Après colonel ndesiko botokomi na ba grade oyo on disait ba grade politique. OK. Voilà. Wana okomi général. Général. Na catégorie ba général ezali ba général de division. Oui. Étoile moko. Oui. Général de brigade, général d'armée. Oui. Et puis général de corps d'armée. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ben, tant que le général, bisous, tout ce grade, moro, tout ce qui est grade, tout ce qui est grade, tout ce qui est grade, maréchal, grade, par exemple, y a amiral, wana, bazaba nani wana. Pour dire ceux qui en ont d'autres, ça continue. Ma grade, on appelle ça là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Grade, y a maréchal, il n'existe pas. Un grade maréchal n'armée. Maréchal est un titre moko honorifique. Voilà. Est un titre moko honorifique. L'ancien président de la République, oui, Mobutu, oui. Grade n'a soukazaki général des corps d'armée. Okay. Alors, comme il était le commandant suprême, oui, il y a forces armées aéroises, alors, on lui a donné le titre honorifique il y a maréchal. Ami Pessi et tout. Bah, ah, oui, oui. Ami Pessi. Tout dans l'impec. Oui, 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 merci. Ami Pessi, titre wana ya maréchal. Alors, amiral, c'est l'équivalent il y a général des corps d'armée na armée des mers, na, oui, force navale. Oui. Puisque, bon, moni, on a PCA, c'est l'armée classique. En tout cas, voilà. Quoi. Donc, amiral, c'est l'équivalent à général des corps d'armée. Na... En tout cas, merci beaucoup, mon colonel. Donc, Bandeko, toujours rappelé, Bino, que Ndeko Azali Bosona Biso, c'est un ancien militaire. Tant que vous avez déjà décrire biso ba hiérarchie militaire sans même hésitation, cela veut dire que aza penza mutia kata boîte. Alors papa to linga to yeba ba attribution na bango ezan ndenge. Par exemple, eloko nini lieutenant asalaka ou par exemple sous lieutenant osalate, eloko nini capitaine asalaka ou colonel asalaka te to yeba un peu ba fonction ba role ni ba joueur kawana pour ta bazako différencier bango bongo c'est que bazana makamsu ya ko sala ya ko sala ngod. S'il vous plaît. Bon, dans une armée classique, ma fonction est attribuée selon ma compétence, selon ma matière oyosali. Il y a des lieutenants, il y a des capitaines sans fonction. C'est-à-dire, il est là, hein, à Kendeke, à Zon Dima appel, à Zozela, salaire, naïe. Bon, évidemment, pas salaire, c'est-à-dire, à Zozela, l'air, peut-être, meeting de repos, ça m'a pour exécuter, par exemple, ou bien, au Kende Bitumba, à Ké. Mais pendant, ça c'est pendant la période de guerre. Oui. Mais pendant la période de paix. Normal, quoi, ouais. Normal, il y a des officiers militaires, il y a des militaires, oui, qui ont des fonctions. Oui. Je vous ai dit ici que fonction n'aille, oui, ils allient auditeurs. On est magistrat. Magistrat. Oui. C'est-à-dire, Moussala n'aille, ils a, qu'on s'ambisa, bah, soda, les récalcitrants. Oui. Bah, soda, oyo, bah, banaï, qu'on violait, mibeko. Alors, il y a d'autres officiers qui étaient des génies, il y a génie. Ça dit, Moussala Bango Kotonga, Bapon, Kotonga, Bandako, ni tout ça. Nous avions des informaticiens, oui, Kosala Bulletin de paix. Nous avions des médecins militaires, oui, Banon Mona Bapito, Bani, tout, oui, ça. Oh, sorry. Alors, nous avions des. Donc,
catégorie nyonso batu nyonso bazalaki na catégorie voilà. Il y a même de ba aumônier bazalaki ba aumônier ba. Alors pendant la période de paix moto na moto azako sa la fonction oyo hein wana. OK, en tout cas merci beaucoup colonel Feli Fofé. Et donc, tu retournes à Sikoyo, tout le monde a un militaire, monsieur le journaliste, il y a beaucoup à dire. Makamboza mingia on a bombayé pour la Makamboya armée. Heureusement, vous avez provoqué, c'est très bien. Oui, ça n'est le but, ça enseignement. Il faut si faut tout ça là même na ba volume belé tout ça là yango, et ça vraiment enseignement, et ça vraiment enseignement. Donc que non malé papa militaire, tous en sont précité, ils allaient vraiment enseignement. Alors, on a été ceux qui tous ta comment idée wana moke. Tout à fait. Considérer tout ça l'émission ta 10 volume tout ça là yango. Tout à fait. Au moins un militaire azali moto oyo. Akoki ko waya pambate. Oui. Un militaire azali moto oyo il faut azala na caserne. Oui. Caserne nde esika oyo soda la. Soda akoki ko lala na cité té. Soda musala na ye donc ko lala na caserne militaire puisque mission ya soda ezalite koya kokanga bato na zando nani non mission ya soda ezali soki mboka eza attaqué consigne pesami on sait les rassembler puisque bangonyo so bazana na caserne voilà puisque en cas d'urgence quoi en cas d'urgence, ils sont tous là ouais. Ils sont tous là puisque je vous dis mais c'est les journalistes nanu na mona société où ezali bien organisé comme armée si tout est respecté. Voilà. N'armée, soki na tongo, basali rassemblement, sous les drapeaux, vous devez savoir l'effectif. Donc, na tableau, ba komiana, effectif du jour. Soroza malade, okosenga permission, ba ebike, Fistel, Major Fistel, Capitaine Fistel, il est malade, azan hôpital. Voilà. Tel, ake corvée. Donc, armée est organisée. Armée au Roki Kobimana Kante sans autorisation. Tout ça pourquoi? Parce que si le pays est en alerte, si le pays est attaqué, on sait rassembler les militaires Mbalamoko. Voilà quoi. Ozomona. Mais, Mosala yabato oyo ba Roki Kowaya Waya. Na cité na ville de ba policier oui. Ba militaire té okoki jamais comme un militaire na cité na munduki na tenue militaire non pema zawana akokangaye en tout cas donc au lobby na biso que militaire normalement il faut afana na caserne donc ba ne to aner na cité militaire moko ya tongwetani ala ti ba bijou belé a tchaka ma choko na ye na munduke munene ke musala donc to yebite esala makabongote o ana eza armée ya ba mulele en tout cas mais o tekolo bana biso ke pona kokota na armée eza ka eza ça se fait de manière volontaire mais na to yebite est-ce que eza pe na ba kamoko oyo mutu pe akokoza la forcer akota na armée ne ba na terme to ko utiliser quoi donc ba tchai na armée na makasi na yebite oui eza na ba situation mosusu oyo service militaire et koki kozala obligatoire voilà obligatoire voilà en tout cas ouais allez-y mon colonel oui, vous compléter oui eza na ba situation oyo par exemple soki mboka na bino eza attaqué et que nombre ya troupes eza ko diminuer on peut obligatoirement recruter les jeunes gens pour faire l'armée. D'ailleurs, au cours de la conclusion, na biso, biso na armée ya lobby, toza kolinga service militaire eza obligatoire à l'âge de 18 ans. Pour épaissa biso, on a tout ce qui se passe dans notre pays, donc épaissa a donc cet amour patriotique là, il y a qu'à défendre Mboka. En tout cas, merci beaucoup Suko, yo ou meli
Tous en idée au sali à peu près combien d'années dans l'armée avant au Longwa? Na sali 9 ans. 9 ans. Dans l'armée avant nazala forcé na exil. En tout cas, merci beaucoup. Mais toi, bah, si quoi, yo vie expérience, na yo, est-ce que avantage nini na désavantage nini et au sala que c'est-à-dire mutuaza militaire avantage nini azana yango désavantage plus la nini namu salango selon expérience na yo s'il vous plaît. Bon, moi, en tout cas, na selon expérience na ngai, na moni ke ba militaire. Oui. Oyo bandimi ko sopa makila na bango po na ekolo. Oui. Donc baza ba héros. Baza ba héros parce que bandimi ko servi le pays sous les drapeaux. Alors, omoni soki même totali vraiment to koti en profondeur mosala na biso ya armée ezali mosala oyo même hein liloba nzambe hein soki soldat tosi liloba nzambe il est protégé par Dieu voilà. Na kopesa yo ndakisa oui. Biso place tokenegi na formation militaire puisque tozali na Ngunda, tozali na Zamba, on était en tenue militaire correcte. Jamais, alors j'ai dit jamais, banyoka et banai koleka, jamais nyoka et soit militaire. Or, vous savez, nyoka est un symbole à Satan. Voilà. Alors, nyoka soki azobanga militaire, eza pour nanini, puisque il y a un certain pouvoir nakati ya teni nakati ya militaire si Tokolo et seulement bien. Si militaire wana azako tosa mibeko azako tosa population azali au service ya mboka. En tout cas, merci beaucoup mon colonel. Alors colonel nga tuna susu bon tuna y des avantages. Ouais des avantages ou les bisanga na kati maroba voilà. Bon des avantages ya musala ya armée omoni bisole tokotaki armée on nous a donné solde na biso ya liboso voilà l'air ba pesi biso solde wana balobi mbongo oyo eza mbongo ya makila to sombi bino oui. C'est-à-dire ndenge oza wana nzoto oyo eza isusu ya yote eza isusu ya mama na yote eza isusu ya papa na yote eza isusu ya famille na yote oui. C'est pourquoi on nous a appris serment na biso makila pona ekolo makila pona peuple ni tout ça mais malheureusement ezaki salimaki modèle wanate. Donc des avantages ezali. Donc ndenge okoti na armée. Donc tu ne peux sortir donc alors au sala eza sacrifice suprême, c'est-à-dire liwana yo. On dit mi liwa. Si vous n'avez pas tout normalement colonel, est-ce que bon, si vous êtes dans le quoi, les gens nazis, nous sommes en compagnie, mon robot, ils sont à CP, n'angaite, n'allongue, n'angaï, ceux qui les gens comme militaire, tant au Mauritanie, cop, mon robot, y a bien les gens, n'abat n'a côté, quand n'allait sur le diamant, n'angaï, est-ce que n'a roulé, n'angaï, bon, au moni, n'abat catégorie armée, on a préparé à vous, et ça n'a, on va bien armée de carrière, armée de métier. Milice et tout ça. Normalement, l'air au côté armé, il faut signer contrat. Ok. Contrat wana, ils en a duré. Ok. Et puis, bah, vous spécifiez, na kati ya contrat wana, ce qui, oye pour ça la carrière. Ce qui, oye pour ça la carrière armée, au Kolomwate, ti, âge à retraite et coca. Puisque. Ça dit, il faut signer. Oui, il faut signer. Wow. Puisque, l'air aux a Kolomwa, l'armée, avec toutes les connaissances aux Anango. Ah. Mais vous risquez d'être un danger public. Un danger, voilà. Puisque vous savez, en tant que militaire, ce n'est pas seulement bah, arme. On nous apprend aussi bah, arts martiaux. Voilà. Ok, 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 évolution de l'armée en RDC. Donc, papa Fofé, mon colonel Fofé, a expliqué biso armée n'est ni ebanda,
kobanda na temps colonial ti na temps ya lelo mais autozali juste comme un peu ko élargir ba connaissance na biso poto ba militaire azanani ba caractéristiques ba militaire et le réunion soto za na poto toi ba donc ya autozali ko tungse mukimke papa tout le monde a rappelé ba lobela na armée makamete ba unité par exemple tout le monde a ka ba msusu ba lobaka ngana za je suis de la police ba msusu ba lobaka moi je fais partie de la gendarmerie na Congo ba msusu na robenga ah na Zaïre bango ba toi DSP ba BCRS ba mobile mais qu'un peu ko toi ba unité wana ba sala ka nini ba BCRS ba za banani ba mobile ba za banani je sais pas ba toi côte à côte ba tout mais qu'un peu ko toi poser ba question un peu d'une manière profane mais toi ba soki ele ka ndenge ni papa OK na mapinga classique oui eza na o ba bengaka les forces combattantes oui. Et puis na les forces de l'ordre. Forces combattantes esa constitué na bato oyo baza destiné ko bunda bitumba. Oui. Ko bunda bitumba esa te ko kendo bundi sa ba voisin non, ça dit ko so imboka esa attaqué. Oui. Beaucoup protéger mboka na bino. Oui. Alors, les forces combattantes wana esa constitué na o ba bengi force terrestre oui. Ba o ba bundaka na mabele oui. Alors na kati ya force terrestre wana eza na ba catégorie ebele eza bato ya ba blindé ba blindiciste eza na ba bato ya ba division spéciale eza na bato ebele na ezana ba catégorie mingi. Alors après force terrestre ezali o babengi force aérienne bato alikolo voilà. Alors après force aérienne ezana o babengi force maritime ou bien force navale tozolanda au colonel voilà wana ba force combattante soki bitumba yena mai bato force navale bakuzala bako attaquer avec l'appui aérien oui. Et puis na terrestre. Alors, ce qui bitumbaiza na se amabele, les forces terrestres bako attaquer et puis na appui ya likolo. Alors, si ko boy, les forces de l'ordre. Oui. Nde la police. Mosala ya police nde yako maintenir ordre et puis discipline populaire na kati ya mboka. Oui. Bango bakende bitumbate. Oui. Bango, Moussa na banga ou metteni ordre. Bon, si quoi, différence ni les alliés entre gendarmes et la police, on dirait les arrêtés d'un moko. Bon, Nyoswana eza ba terminologie, oui. Oyo ezo créé ba confusion inutile. Oui. Un gendarme, c'est pratiquement comme un policier. Oui. Mais, et pas na biso, gendarme akoma ki neti soldat, c'est-à-dire. Il était armé à Komaki Kokinde Bitumba. Il y avait des commandos na kati ya gendarmerie. Donc on a à peu près copié système et à bas français oui. Puisque chez les français il y a les policiers au bas siraka métier il y a ordre public et puis il y a les gendarmes qui viennent intervenir na quand il y a par exemple moi situation mon quoi armée babylon monde on a tout ça mais nous soana catégorie normale classique ezaka force de l'ordre et puis force combattante en tout cas merci beaucoup mon colonel et là mususu na toutes nos questions tout le monde a chaque fois militaire à ça la infraction façon ba pesa ka punition et toujours le bla précisément na mboka na biso au Congo façon ba pesa ka ba militaire punition tant dans le bas punition tout le monde a directement torture qu'au bêta est-ce que nous sommes appelés comment on a mis candidato ils allaient non car je sais pas n'a évité quoi au moins on a balayé si on a 60 fimbo n'a évité nous sommes quand même fimbo est-ce que ils allaient à loi tout je sais pas comment bon motuno tuniana je suis vraiment à l'aise puisque on est dans le domaine n'angai. Je dois vous dire, na époque où bisoto sala qui tombanaï au sala, il y avait la justice militaire et il y avait ce que nous avons appelé un code de justice militaire. Alors, code wana est
prévoyait qui bah infraction nyoso oyo bah soda bah kokai ko commettre et puis na bah sanction oyo soki soda a sali mabe il y avait des sanctions oyo soda bambano o bah soda bah kokai kozoa. Alors nyoso wana eza bon eza peut-être exagération y a bateau nini tout ça normalement soda soki a sali mabe et on va voir infraction mabe nini a sali et puis et ko correspondre na mbano oyo ya kosala mais évidemment il y avait à l'époque il y a phase il y avait des forces spéciales des unités spéciales comme SARM ou que soki bakangi soda mais bazo torturer. Il y avait non, je viens de dire que onezaki ba punition moko extra judiciaire qui veut dire c'est-à-dire en dehors il y a mibeko et même biso na niveau auditorat militaire to banai ko poursuivre ba militaire o ya SARM ou bien DSP o ba banai ko torturer ba soldat modèle en tout cas surtout SARM na DSP to ko beta pe na masolo na yango avant to kota to si ça un peu image ya militaire ngo troupe sa biso militaire za nani question sur ko na retourna yo pona nini na ba mboke bele non seulement na ko mais majorité ba tenue militaire za toujours en couleur verte pona nini bon personnellement justification na oki ko pesa ezali bon je crois que ce n'est pas seulement au Congo c'est un peu partout, c'est partout voilà. Oui, oui. Bon au moins couleur verte eza couleur moko oyo comment on dit si green light eza couleur moko oyo ezo pesa priorité oui. Ozo mona oui. Alors, soit par exemple, comme une couleur rouge, ça n'est pas danger, oui. Ni tout ça. Alors, dans mon entendement, tenir nabiso na couleur nabiso au boye, n'est-ce vert, ça colaque ça moins puissance moko, autorité moko oik et ça na katia militaire. Ça c'est de un. Et de deux, il y a aussi le fait que au moment de l'opération militaire mingi. Et salimaka na ngunda voilà na zamba na zamba omoni ba kasa ya zamba eza vert okay. Alors il faut ezala un peu confondi na en tout cas merci beaucoup colonel Fofé ba kesi so ya rase ko ya olimbisa biso elo sortuna est-ce que tenue militaire na ebite ba tiaka yango nini poso ki mutu amoni tenue wana abangaka. Ata mwana mukala titeni wana en tout cas ça fait peur na ebite teni wana elo ko nini za imagine za na kata teni wana po bangisa bato merci mingi monsieur le journaliste na utaki koloba awa ke eza na pouvoir moko divin voilà c'est à dire euti e pa na nzambe e kiti e pa ya militaire. Oui. Militaire o ya bangizambe, militaire o ya tosaka mibeko. Oui. Na uti ko yebisa wa ke jamais dans l'histoire ya armée soda ba soye na nyoka, hein, l'air ala titeni militaire nyoka kimaka. Parce que nyoka za représentation ya Satan. Alors, likambolobi wana et la kisini. Mon colonel olimbisa ngai na faso ba militaire ya Congo ba ndeko se comporter en tout cas. Nyoka sora moni ya kobiki sa yo te po bozaki batuma be hein voilà donc nazo koma na isika yo zali et je suis d'accord avec vous wana ta nyoko ya soa kate en tout cas soa mukolona akosala makasi ya soa mais bamsu babande kozwa ba bal perdi voilà po na nini donc mabeleki donc soki o latiteni o moni ko tuse mota latiteni même elongi naye et échanger voilà. Et là, qu'est-ce que il y a un pouvoir, il y a Nzambe, il y a aussi un pouvoir, une autorité de l'État au Katiayo, puisque yo mosalo ponaki ezali ya kobate la batu. Oui. Alors, soki olati teniwana et que o respecte mibeko misala nyoso mission oyo bapesio, donc bato, bako banga yote me bako tosa yo. Voilà.
Ozomona. Bakoba. Parce qu'un militaire, ici, quand on voit un policier, même si on a une station de police, on tourne. Et bakoyamba yo avec courtoisie. En tout cas. Ozomona. Tenir au kyo kim samoutoute. Tenir, ça signifie confiance, protection. Au moins, tu ah, non, nabiki. Nazan en sécurité. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon colonel. Alors, tant que tout ça, qu'on bête, bah, il dit que ça ex-phase, en tout cas, ming, bazo baby, ça déjà bilongi. Alors, parmi, bah, ex-phase, parmi, bah, unité, je sais pas si tu reviens, on est nini, aux agnans, bon, canabiso, ils en a mon copenza, ils agnans, comme moi, réputation, mon coyamabé. Nabi qui peut-être vous allez à l'est pour le leçon, mais en tout cas, s'il vous plaît, ça fait partie de l'histoire de notre pays. La DSP, soda, nyon, moutou, nyon, so, tout le monde a qui a na kata diaspora. Ou yazala ki ex-phase, en tout cas, babenga moka ba DSP. Ou comme un peu que le bébé un peu DSP, c'était quoi au juste? Eza et Bélé mettent toujours à DSP parce que le bit émission n'a plus ses bongo évolution de l'armée en RDC. N'a pas de temps, ça vraiment évolution ya armée depuis et banan na époque coloniale. Tinamo ya lelo, mais auto salaire kaka tour d'horizon pour tout, mais quand vous avez un peu connaissance. Na makambo etali armé juste pour na question ya curiosité donc tu habites un peu DSP oroko lobela biso yango muke parce que yango ne mutu sala ka moi six makasi na mboka mon colonel. OK, merci mingi na motuno tuningai depuis que bino ba soda bolinga ko bomba ba secret pe mingi eleka nango déjà sunga ba na mboka tu ba histoire ya mboka na biso. Bon, Na koyebisa yo ke na dans toute la société il y a toujours bambouma mabe ezalaka il y a des peleki. Alors si ko bo il ne s'agit pas de généraliser. Oui. Ozomona. Oui. Hein, il ne s'agit pas de généraliser mais na katia bambouma mabe bambouma malampe ezali. Voilà. Alors, je dois d'abord vous dire l'origine y a DSP. Okay. DSP, ezali division spéciale présidentielle. Oui, oui. Ouais. Donc division spéciale présidentielle. Alors, DSP wana euti na unité au général Bumba Mwaso abanaye ko diriger au babengi DITRAC. Hein? Donc Bumba Mwaso abanaye ko diriger DITRAC. Alors DITRAC wana lelo soki to meki ko comparer DITRAC. Oui. Na DSP. Donc les gens vont plus préférer DITRAC na DSP. Oh, DITRAC eza ancêtre. Donc il y a DSP. DITRAC quoi les alli abréviation y a ni. Ouais, DITRAC les alli une de toutes les façons ce n'est pas grave. Non, non. Oui, y a caca, oui voilà. Allez-y si vous retrouvez en haut c'est bon. Donc voilà bandeko en attendant colonel Azali Koluka Sikanini Abombi papi ba komi définition à DITRAC. Tous allez vous rappeler bien que c'est un ancien officier militaire azala qui magistrat na Congo donc azaki colonel azaki magistrat na Congo et pour l'instant azali a na biso na exil précisément na Londres. Mon colonel allez-y s'il vous plaît. Oui, donc je disais que DSP et outil na DITRAC. Voilà. DITRAC ezala qui dirigé par le général Bumba Mwaso. Ouais. Soki au tangi histoire à DITRAC. Oui. Et qu'on peut s'en coûter pour ça au côté de l'armée. Oui. Na DITRAC, batu oyo bazala ki ya mike. Oui. Nde batu neti biso. C'est-à-dire, c'était des gens. Non, yon, tous au monde a costaud, boy, donc. Donc, batu quoi biso nde tozaki ki batu. Puisque na armée, soy bozo sa la rang. Alors, DITRAC, ça signifie division des troupes aéroportées de choc. Alors, après, et comment qui DSP? DSP, je vous dis la vérité, c'était une division Oyo, même na niveau, il y a
biso moko ba militaire, oui, il y avait des mécontentements. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avions constaté que DSP, qui était une division spéciale présidentielle, au début, et ça là qui m'a dit, il y a malamo, il y a qu'à protéger le président, la famille, la haie, qu'à assurer la sécurité, mais DSP est et devient qui la mission na ye DSP et comme qui donc instrument il y a intimidation, instrument il y a torture, il y a population, instrument donc et je vous dis même au niveau des militaires donc ma komaiko banga DSP, oui. Et pourtant la division spéciale présidentielle était constituée par des militaires bien formés, bah militaires Oyo penza ba sala ba classe ya kitoko. Alors il y a eu comme j'avais dit ici eza na bambuma malamu na dans la société. Alors au moni na niveau ya DSP, oui, comme c'était aussi au niveau général des forces armées, tribalisme et komaki makasi, donc il y avait un petit groupe ya ba militaire d'une certaine tribu Oyo bazai privilégié, o babane ko ba munoko moko ya mboka na mokonzi, alors ba koma kineti ba pomba ba koma iko sa n'importe quoi. Ya on babane ko crepe jalousie ya ba militaire mususu. Ils étaient bazaï toujours gâtés, babane ko soa ba solde na bango régulièrement, ba teni militaire ya kitoko, ba ration, alors ça a créé des mécontentements na niveau ya en tout cas de... Merci beaucoup o ezalay kaka avant goût parce que nyonso oyo colonel Félix Fofé azali ko développer tokozwa yango penza en long et en large parce que bit émission na biso ezali, c'est-à-dire thème émission na biso ezali évolution de l'armée en RDC.